are spinning round in my head. My boss, hold sit down, 'cause I'm almost there. Now I see you through the window and I'm walking on air. But I won't let you know, and I know how it goes. It's supposed to feel incredible. It's too bad you had to leave. Please come back now, baby, where were we? Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit vlog automnal puisque ça y est, nous sommes officiellement dans cette saison que j'apprécie tant. Et aujourd'hui, on a une météo absolument parfaite. Il y a un beau soleil dehors, d'ailleurs il traverse la pièce de sa belle lumière douce. Et en même temps, dehors il fait assez frais. D'ailleurs ce matin quand j'ai promené ma chienne et que j'amenais ma fille à l'école, j'ai pris un bon gilet, un foulard, des bonnes chaussettes dans mes baskets puisque franchement il faisait pas chaud du tout. Mais c'est ce que j'apprécie tant au mois d'octobre, c'est d'avoir des matinées et des soirées fraîches, et en même temps dans la journée on a une température très agréable qui permet de profiter de l'extérieur. Donc d'ailleurs, en parlant d'extérieur, dans cette vidéo j'ai prévu de décorer le salon de jardin, la terrasse, le porche d'entrée. Je vais aussi vous montrer des petites choses que j'ai reçues de la part de créatrices. Et on fera aussi une recette d'automne, évidemment, puisque vous le savez, je suis une grande gourmande et j'aime beaucoup manger et partager avec vous des bonnes recettes toutes simples et très faciles à réaliser. Donc j'espère que ce vlog vous plaira et c'est parti, on commence! Alors je vais commencer par vous montrer les différents colis que j'ai reçus de la part de créatrices. J'adore suivre leur travail, découvrir les nouvelles collections et les soutenir. Et j'ai récemment commandé chez les Infusettes Illustration. Et comme toujours, l'emballage est hyper soigné avec de petites attentions. Merci Camille pour son gentil mot. Et j'ai vraiment très hâte de goûter ce thé. C'est une marque que j'aime beaucoup. Dommage qu'on la trouve pas partout. Les boîtes de thé se trouvent pas facilement dans les magasins. Mais j'ai déjà goûté plusieurs variétés et c'est vraiment très très bon. Alors l'univers de Camille, la créatrice qui est derrière les Infusettes Illustration, il est très inspiré par le Royaume-Uni. On y trouve une ambiance douce et cosy, so british, qui se dégage de ses peintures à l'aquarelle. Et comme vous le voyez, sa touche perso, c'est l'abondance de petits détails. C'est très très minutieux et j'adore me plonger dans ses illustrations pour y trouver les différents petits éléments qui sont un petit peu cachés et c'est trop mignon. Alors je lui ai pris une carte de sa collection d'automne et une autre qui était dans sa collection d'été, il me semble. Et elle m'a très gentiment offert trois marque-pages. Je suis une lectrice assidue, je lis beaucoup et j'adore les marque-pages, les choisir en fonction des saisons. Donc je suis vraiment ravie. Je vous mettrai le lien vers la boutique si vous avez envie de craquer et n'hésitez pas à la suivre sur Insta également. Une autre illustratrice dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Freya Floralia, qui vient tout juste d'ouvrir sa boutique en ligne. Alors son univers est tout mignon aussi, on retrouve une ambiance cosy avec la nature et les animaux de la forêt à l'honneur, comme avec ce petit renard endormi, il est vraiment trop chou. C'est vraiment, je trouve, une belle déco unique pour l'automne, donc je suis vraiment ravie. Alors j'ai reçu également ces deux jolies cartes, il y en a une qui est un petit peu plus pour l'été, une qui est plus pour l'automne. Je ne sais pas si vous le savez mais j'aime beaucoup écrire, j'envoie pas mal de courriers donc je suis toujours contente d'avoir de jolies cartes sur lesquelles écrire. Je pense que c'est toujours une attention qui fait plaisir aux gens qui reçoivent ces petites cartes. Et elle m'a également envoyé trois marque-pages, donc vous pouvez voir Alice au pied des merveilles qui est l'un de mes Disney préférés.
un marque-page cottagecore que j'adore et un qui est plus inspiré du Japon puisqu'elle aime aussi, comme moi, beaucoup ce pays. Et sur sa boutique, on peut retrouver des illustrations sur le thème du Japon, comme celle-ci qui est incroyable avec les nourritures emblématiques qu'on peut trouver au Japon. Donc ma fille l'a déjà réquisitionnée pour sa chambre, c'est sûr et certain qu'elle va l'accrocher au mur. Comme toujours, je mets les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique et à vous abonner à son compte Instagram, elle le mérite vraiment. On continue avec un autre colis que j'ai reçu de la part de Marine qui gère la boutique Shinri Fleury. Je vous avais déjà montré un torchon et une coupelle repos sachet de thé que j'avais acheté chez elle. Et je vais vous montrer deux autres articles que je viens de recevoir. Le premier, c'est ce magnifique mug. Et au-delà du fait que les motifs floraux sont incroyables, tout en délicatesse, très féminin, j'adore que la contenance de la tasse soit suffisamment grande car j'aime boire de grandes quantités de tisane, de thé et aussi des cafés allongés. Alors j'ai des origines italiennes mais j'avoue que je suis plus café lungo que café ristretto. En tout cas cette tasse est sublime et je sais qu'elle va m'accompagner durant toute la saison automnale et j'en suis ravie. Alors je vais vous montrer le reste de ce que j'ai reçu. Il y avait une jolie carte avec un gentil mot écrit par Marine, un marque-page aux couleurs de l'automne et un petit sachet de thé qui a l'air absolument délicieux. J'ai trop hâte de goûter. C'est la marque Tea Heritage que j'aime beaucoup. Il propose différents thés selon les fêtes et saisons et le tout dans des sachets originaux, donc j'aime beaucoup. Alors le second article que je voulais vous montrer, il s'agit d'un tote bag 100% coton bio, imprimé de façon artisanale et dessus on y voit des champignons, des fleurs, des noisettes. Je le trouve parfait, notamment pour aller à la bibliothèque. Donc trop hâte de m'en servir. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller découvrir le compte Instagram et le site internet de Shinri Fleury. Vous trouverez à la fois des créations originales comme des mugs, les tote bags, des torchons, etc. Mais aussi de la brocante en ligne, de la belle vaisselle ancienne chinée. Donc si c'est votre truc, comme c'est le mien, n'hésitez pas à aller voir le travail de Marine. On passe à présent au dernier petit créateur que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il s'agit d'une marque de bougies fabriquée à la main dans un atelier du sud de la France. Il s'appelle Elialis et ils m'ont gentiment envoyé un colis avec plusieurs de leurs créations. Donc ce sont toutes des bougies avec des matériaux responsables, du colorant vegan, du parfum de grasse, de la cire de colza et du coton 100% naturel. Et regardez-moi cette bougie trop mignonne en forme de petit gland. Je trouve que c'est parfait pour la saison et elle sent hyper bon. Donc là, il s'agit du parfum caramel beurre salé, une odeur très gourmande. Mais sur le site, on peut aussi la retrouver avec d'autres parfums comme musc par exemple. Alors j'ouvre à présent l'emballage d'une bougie qui sent la fleur de coton, un parfum très doux. Et cette bougie, elle a la particularité d'avoir une mèche en bois qui crépite quand on l'allume. C'est le genre de petit détail qui me plaît beaucoup. Alors cette bougie, elle est tout à fait classique, avec une longue diffusion d'ailleurs. Mais les autres que je vais vous montrer, ce sont des bougies moulées, c'est-à-dire qu'elles diffusent davantage leurs effluves lorsqu'elles sont éteintes, car la cire n'a pas eu le temps de monter en température avant de s'écouler. Donc il s'agit plus de jolis objets de décoration parfumés. Bien sûr, on peut aussi les allumer pour le plaisir, mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'elles sentent même éteintes. Et d'ailleurs, ça diffuse super bien dans la pièce. Tout mon salon sentait hyper bon. Là, vous avez le modèle automnal en forme de citrouille et une autre petite bougie en forme de lotus. Et les deux sentent vraiment très très bon. Et les deux dernières bougies, je me les réserve pour la saison hivernale, pour Noël, puisque je pense qu'elles se marieront très très bien dans ma décoration. Le côté maille qui fait penser à des couvertures en crochet, en grosse laine,
Voilà, je trouve que ça ira bien pour l'hiver, donc je les réserve pour cette période. Et ils m'ont enfin aussi envoyé deux petits plateaux sur lesquels on peut poser les bougies, genre de petits détails que j'apprécie. Donc si vous avez envie de parfumer subtilement votre maison ou si tout simplement vous avez des cadeaux à faire dans votre entourage, n'hésitez pas à utiliser mon code promo Maison Citron ou le lien en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez obtenir en cadeau dès 45€ d'achat la bougie automnale, donc celle en forme de citrouille. Il suffira juste de l'ajouter à votre panier. À présent, direction l'extérieur, puisqu'après avoir décoré l'intérieur de la maison, le salon, la cuisine, j'avais envie d'apporter une petite touche automnale à notre salon de jardin, à notre terrasse et également à notre porche d'entrée. Voilà, je vais faire les choses assez simplement puisque j'ai pas envie d'en mettre deux partout. Et voilà, je vais vous montrer tout ça. Une façon simple, rapide et pas chère pour modifier l'ambiance facilement, c'est de changer les housses de coussin. Je le fais généralement à l'intérieur de la maison, mais je me suis dit que ça serait sympa cette année de le faire aussi par ici, surtout qu'on passe pas mal de temps au final sur la terrasse. J'y suis souvent l'après-midi, c'est très agréable, surtout en ce moment avec les températures qui sont douces. Donc voilà, avoir cette petite touche automnale par ici, c'est chouette je trouve. Alors ces housses de coussin, c'est ma sœur qui me les a offertes. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous ne le savez pas déjà, qu'elle a elle aussi une chaîne YouTube. Ça s'appelle Au gré des saisons. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, si vous avez envie d'aller l'encourager, elle vient d'acheter un appartement avec son conjoint. Ils sont en train de faire des travaux pour rénover. Donc voilà, si ça vous intéresse, elle fait aussi du contenu autour des saisons. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Sur la table basse, j'avais envie que ça reste simple car c'est quand même en extérieur et avec le vent, je ne peux pas mettre trop de choses. Donc j'ai mis cette lanterne en verre de couleur marron achetée chez Action et j'ai complété avec un pot de bruyère, c'est la saison. Du côté du porche d'entrée, je vais retirer la couronne qui est accrochée à la porte. Elle est là quasiment toute l'année, hormis pendant la période de Noël et d'Halloween, où j'ai d'autres couronnes. Et comme vous pouvez le voir, je l'accroche avec un petit crochet transparent très pratique. Je l'avais trouvé sur Amazon. Et du coup, je vais mettre celle-ci que j'avais trouvée l'année dernière chez Primark. Alors, il manque quelques feuilles que j'ai rajoutées après. Elles étaient tombées. Voilà, je la trouve assez mignonne, elle a des belles couleurs douces, un petit peu de rose et de bordeaux, ça me plaît pas mal. Et ça ira bien avec les fleurs que j'ai choisies au marché, puisque j'ai pris un autre pot de bruyère de couleur un petit peu fuchsia et un mini chrysanthème. Alors j'en voulais un gros, malheureusement la personne à qui j'achète toutes mes fleurs au marché n'avait que des mini chrysanthèmes, donc j'ai dû m'en contenter. Pour compléter, je vais mettre ces branches de feuillage que j'avais achetées chez Action il y a maintenant plusieurs années. Pour tout vous dire, je les aime pas trop parce que je les trouve un petit peu trop criardes, trop voyantes.
Mais bon, en extérieur, ça me dérange pas. Je me dis que avec un peu de chance, le soleil va ternir un petit peu les feuilles pour leur donner un aspect un petit peu moins chatoyant, on va dire. Et voilà, je l'ai caché derrière le pot de chrysanthème, donc ça se voit pas énormément, mais ça apporte quand même cette couleur orangée très automnale. J'aime bien avoir un porche d'entrée décoré, je trouve que c'est beaucoup plus accueillant quand on reçoit, même si pour dire la vérité, la majorité des gens quand ils viennent chez nous, ils passent pas par la porte d'entrée, ils passent par la cuisine. Et d'ailleurs, nous y voici, puisque on va faire une petite recette d'automne, quelque chose de très simple, vous le savez, moi j'aime la cuisine de maman, entre guillemets, j'aime bien quand c'est très simple, rapide et gourmand. Alors aujourd'hui, on va mettre à l'honneur l'un de mes fruits préférés, la poire. De toute façon, j'adore quasiment tous les fruits d'automne. C'est vraiment la saison que je préfère pour manger des fruits. Et c'est vrai que les poires, c'est un goût très particulier, très doux en bouche, très moelleux. Donc moi, j'adore ça. Et donc aujourd'hui, on va faire un crumble de poire. Voilà, une recette vraiment toute simple. Je pense que la majorité d'entre vous, vous savez faire un crumble. Je vais vous donner, entre guillemets, mes petites astuces pour le rendre un petit peu meilleur. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe mes poires et je les fais revenir dans du beurre avec du sucre et du pumpkin spice. Donc ça, c'est un mélange d'épices américains où dedans, vous pouvez retrouver de la noix de muscade, du clou de girofle, de la cannelle. Si vous n'en avez pas, vous mettez juste de la cannelle, ça va très très bien aussi. Et donc, le fait de faire revenir les poires dans le sucre, le beurre et les épices, je trouve que ça donne vraiment un petit côté plus gourmand au crumble, puisque la majorité des gens, en fait, ils mettent juste les fruits crus dans le fond du plat. Donc moi, là, on va faire le crumble ensemble. On va tout simplement mélanger un petit peu de farine, un petit peu de sucre et du beurre. Je mets aussi de la poudre de noisette. Donc au niveau des quantités pour le crumble, je mélange 130 g de farine, 30 g de poudre de noisette, 150 g de sucre et ensuite 125 g de beurre salé. Ensuite, vous malaxez tout ça et vous émiettez du bout des doigts pour obtenir une texture un petit peu sableuse des miettes qu'on va verser ensuite sur les poires. Ensuite, on enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. Et voilà, c'est tout simple, c'est prêt. Vous pouvez le servir aussi avec une boule de glace, c'est vraiment très bon. Moi, j'en avais pas sous la main. Alors, je sais que visuellement, ça fait pas très joli. Ça fait un peu gros pâté, entre guillemets, mais c'est vraiment délicieux. Faites-moi confiance, c'est un délice. Et surtout quand vous le mangez tiède, sorti du four, voilà, j'en dis pas plus, n'hésitez pas à tester la recette. Voilà, ce petit vlog touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt !